gilets jaunes. Au cours de ces 12 derniers mois, des verruliers devenus gilets jaunes ont participé au lancement du mouvement dans et autour de Bourges. Ces gilets jaunes sont toujours là, d'autres les ont rejoints depuis. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux, expliquer pourquoi ils se battent et d'où ils viennent. Bonjour, moi c'est Gérard, j'ai 63 ans et je suis retraité de Bourges dans le Cher. Cela fait un an que nous nous battons face à un gouvernement qui fait tout pour nous diviser, nous casser et qui en a rien à foutre de ces Gaulois réfractaires, ces illettrés comme il nous a si bien nommés. Le bilan que j'en fais aujourd'hui, c'est qu'il a encore réussi à nous désunir, j'espère momentanément. Aujourd'hui, ce qui pourrait faire notre force avec tous les mécontents, pompiers, infirmières, enseignants, fonctionnaires, artisans, retraités, étudiants, handicapés, c'est la convergence. S'unir tous ensemble pour être des millions comme dans d'autres pays, car ce gouvernement est en train de massacrer notre France. Il est vrai que notre mouvement a toujours crié haut et fort que nous étions apartisans, mais aujourd'hui, il va falloir penser à refaire de la politique pour arriver à mettre en place le RIC, et avec un gouvernement juste et sans casserole, pour nous, citoyens, sans oublier notre autre ennemi, le capitalisme, qui ne fait qu'enrichir les riches et nous, citoyens, nous appauvrir. Force et union à tous.